Bonjour à tous. Donc je vais d'abord laisser Jean se présenter rapidement, puis je vais me présenter, puis je vais continuer la présentation à partir de ce moment-là. Yes, merci. Ben moi, c'est Jean Creusefond. Je suis data scientist chez D-Lite, donc une petite entreprise que Romain se fera le plaisir de vous présenter. J'étais ingénieur informaticien et j'ai fait une thèse en informatique. Et ma recette DSS préférée est la préparation. C'est la recette un peu de base la plus simple, mais je la trouve particulièrement puissante. Et surtout qu'elle a un énorme mérite de combiner l'analyse, la vision des données et la préparation. Et je trouve que voilà, c'est pour ça que c'est ma recette préférée. Merci Jean. Alors moi c'est Romain, je suis data scientist aussi chez D-Lite. Je suis arrivé un peu après Jean. J'ai un parcours de chercheur en fait. J'ai fait un doctorat en neurosciences avant. Ma recette préférée c'est la recette Python, tout simplement parce que je peux faire n'importe quoi avec. Alors je vais vous donner quelques éléments de contexte par rapport à D-Lite, par rapport à notre activité. Et vous expliquer aussi un petit peu pourquoi on travaille avec DSS pour le moment. Donc, D-Lite, c'est une entreprise qui a été fondée en 2016. Notre objectif, c'est de fournir des outils de gestion de données aux acteurs du spectacle vivant. Donc, on travaille essentiellement avec des salles de spectacle et des producteurs de spectacle, mais aussi avec des billetteries directement. Et en fait, l'idée, c'est de restituer la donnée qui, à la base, est générée par la billetterie aux producteurs et aux salles sous forme de dashboard pour qu'ils puissent avoir un suivi de leur vente ou alors sous forme de liste de contacts qui pourront contacter à des fins marketing par la suite. Donc on est une petite entreprise, hein, on est seulement 10 pour le moment. On est 5 à l'équipe commerciale, il y a 3 personnes qui s'occupent du développement, puis il y a Jean et moi qui nous occupons de la data. Donc vous avez l'intégralité de l'équipe data de D-Lite face à vous aujourd'hui. Alors je vous présenterai rapidement les produits qu'on distribue. Ça, c'est un produit qui s'appelle Ignition et qui présente voilà, les données d'un client sous forme de dashboard. Donc ça, c'est un exemple de visuel qu'on peut avoir dans le produit. Donc on essaye d'être interfacé avec toutes les billetteries et toutes les sources de données avec lesquelles le client peut avoir un contact et de restituer cette donnée-là, si pas en temps réel, avec un délai de 24 heures. Ce second produit, c'est Activation. Ça, c'est notre routeur mail qui permet d'envoyer des communications à nos clients sur base de segments qu'ils peuvent avoir réalisés dans Ignition au préalable. Donc c'est vraiment un outil de contactabilité. Et on travaille sur un troisième produit que je peux malheureusement pas vous montrer parce qu'il est toujours en construction, qui s'appelle Relation, et qui est un outil qui permet d'envoyer des questionnaires de satisfaction à la suite des spectacles. Donc vous allez voir un spectacle et vous recevez dans les heures qui suivent un questionnaire de satisfaction pour savoir si le spectacle que vous avez vu vous a plu et ça permet aux producteurs et aux salles d'avoir un feedback sur la qualité de l'accueil dans les lieux autour des spectacles. Donc ça, c'était pour les produits. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on travaille avec Dataiku et quels sont les problèmes qu'on a rencontrés en fait au fur et à mesure de l'élaboration de ces produits. Alors, le problème initial pour lequel Jean et moi avions été recrutés il y a de longues années était de créer une plateforme data permettant d'exploiter les données de nos partenaires afin de créer de la valeur. Donc, on avait vraiment une problématique de création de valeur sur base de données qui étaient déjà existantes et on se demandait en fait comment, en termes de data science, on allait pouvoir exploiter ces données pour faire éventuellement des projections, de la prévision de vente, ce genre de produits. Cependant, on s'est rapidement rendu compte que le marché était beaucoup plus novice que ce qu'on pensait en matière de données. On a des données qui étaient beaucoup plus diverses qu'anticipées. Les sources, donc on est connecté avec plusieurs dizaines maintenant de sources de données différentes qui peuvent être des logiciels de billetterie, des logiciels de mailing. Via différents canaux.
Il y a vraiment en fait une. On supposait une uniformité dans les données qui n'existait pas. On a un peu tombé sur un os à ce moment-là. Le marché lui-même était très peu informé sur les problématiques liées à la donnée, ce qui fait que on avait des gens qui étaient relativement peu réactifs et avec qui on avait du mal à discuter dans un premier temps. Et ensuite, vu que nos produits évoluaient assez rapidement, on avait besoin de faire évoluer nos flux de données et nos traitements de manière très rapide. Donc, tout le système d'ETL, c'est-à-dire de transformation de la donnée brute vers une donnée qui est exploitable par nos outils, devait être non seulement créé, mais en plus évoluer assez rapidement pour suivre l'évolution de nos produits. Ça, voilà, ce sont vraiment des vrais problèmes auxquels on a été confrontés. Et DSS est arrivé comme une solution à ce moment-là, dans le sens où ça nous permet d'itérer relativement rapidement sur les flux de données grâce à l'interface graphique qui est assez simple à utiliser et qui permet de voir assez rapidement, on va dire, le résultat d'un processus de traitement qu'on peut avoir réalisé sur certaines données. Il y a d'autres outils ETL qui existent sur le marché, mais ils offrent pas cette flexibilité-là. Enfin, en tout cas, de notre point de vue, ils offrent pas cette flexibilité dont on avait besoin dans les premières phases de développement de l'entreprise. Donc ça, c'était une des raisons importantes pour lesquelles on a été amené à travailler avec DSS. Puis ensuite, il y avait l'interface graphique permet aussi de partager pas mal d'informations au sein de l'équipe. Donc on est assez rapidement au courant de qui a fait quoi. Sur certains traitements, ce qui n'est pas nécessairement le cas non plus d'autres outils qui sont plus on va dire moins dynamiques. Donc voilà, ça c'est les raisons pour lesquelles on a commencé à travailler avec DSS. Maintenant, je vais vous faire un petit point sur les concepts qu'on va utiliser durant cette présentation, et notamment dont Jean va vous parler par la suite, et qui pourraient éventuellement vous paraître un peu flous si vous n'avez pas utilisé DSS depuis un moment. Ou si vous êtes tout simplement novice par rapport à DSS. Donc nous, on travaille beaucoup avec la notion de partition, c'est-à-dire que dans DSS, un dataset, c'est avant tout un élément logique qui désigne un ensemble de données, mais en sous-main, ces données-là sont encodées quelque part. Elles peuvent être encodées dans une base de données, ça peut être du PSQL, par exemple. Ou elles peuvent être encodées dans des fichiers bruts. Nous, on travaille par exemple avec du CSV compressé essentiellement. Quand vous partitionnez votre dataset, vous décidez simplement de subdiviser votre dataset en un ensemble de fichiers sources. Donc ici, on peut avoir un dataset qui a un nombre indéterminé de partitions à la base, et ces partitions peuvent être désignées à peu près en fonction de ce que vous voulez. Nous, on a décidé de séparer nos fichiers sources en sources de données, justement. Donc, en fonction de la billetterie qui nous envoie des données, par exemple, on aura un système de nommage différent pour les fichiers CSV qui seront sous-jacents à nos datasets. De la même manière, on peut les séparer en date, de manière à être capable de déterminer quelles sont les données qui sont arrivées à une date particulière. Donc, par exemple, pour donner un exemple, on travaille avec Digitik. On pourra avoir une partition qui sera Digitik 1er janvier 2020. On saura que c'est la donnée qui a été reçue de la part de Digitik le 1er janvier 2020. Donc ça, c'est une manière en fait de séparer la donnée en plus petits fichiers, ce qui nous permet de traiter uniquement les données qui nous intéressent. On peut avoir un dataset qui est représenté dans un projet DSS et qui est en fait massif, il y a énormément de données sous le capot. Mais en réalité, si on a simplement envie de travailler sur la donnée qui correspond à une seule source de données ou à un seul jour, on peut très facilement le faire en décidant de travailler sur les partitions qui sont importantes. Ça, c'est pour les partitions. Ensuite, on travaille également aussi beaucoup avec le système de scénario. Les scénarios, c'est quelque chose qui est très important quand il s'agit de scheduler des tâches, ce qui est vraiment la base des systèmes ETL, c'est-à-dire de déterminer tous les jours, par exemple, à une heure précise, comment aller rechercher
les données d'une source particulière. Donc, on peut avoir, nous, des scénarios qui sont simplement un code, enfin une page de code, Python par exemple, qui est exécutée tous les jours à la même heure pour aller récupérer les données digitiques et qui va écrire uniquement dans les partitions digitiques. Et tous les jours, elle va ajouter une nouvelle partition à notre dataset d'entrée pour cette source-là. Les scénarios sont déclenchés par des triggers. Donc ça, les triggers, c'est simplement l'élément qui vous dit avec quelle fréquence vous allez déclencher votre scénario. Donc là, moi, j'ai parlé d'un scénario qui peut se déclencher à un moment donné, donc une fois par jour. Vous pouvez aussi avoir des triggers qui se déclenchent à l'issue d'un autre scénario. Donc si tel scénario a réussi, vous pouvez lancer un autre scénario à la suite qui va prendre le relais et continuer à effectuer une série de tâches sur base des éléments qui lui ont été donnés dans le premier scénario. Donc ça, c'est vraiment les deux notions qu'on utilise quotidiennement dans notre pratique, c'est-à-dire dans l'implémentation dans DSS d'un système ETL classique. Alors ici, je vais vous montrer simplement, vous donner une idée plus générale de l'architecture de nos projets. Donc on a à gauche toute une série de sources qui sont à chaque fois des projets séparés pour lesquels on applique des traitements qui sont propres à cette source-là. Donc là, on a la source numéro 1, on va dire que c'est les sources qui viennent de chez Digitik, les données qui viennent de chez Digitik. On a une série de traitements qui sont vraiment propres à cette source-là qu'on va appliquer dans un projet donné. On aura donc un dataset en une série de traitements qu'on fait et ensuite un dataset en sortie qui correspondra à des données qui sont propres pour cette source-là. Ensuite, on aura toute une série d'autres sources, par exemple BillRéduc ou ici France Billet. Une fois que les données ont été traitées pour une source donnée, on va unifier tous les datasets de sortie des projets sources. On va les stacker dans un énorme dataset en fait, qui contient l'intégralité de toutes nos données. Et encore une fois, toujours à ce stade-là, elles sont partitionnées, donc on peut récupérer, on peut connaître en fait la provenance de chacune des sources de données à n'importe quel moment dans notre pipeline. On va unifier donc ces données-là et ensuite on va opérer toute une série de traitements qui, eux, sont propres à l'intégralité des sources. Enfin, peu importe en fait la source de la donnée, ce seront des traitements qu'on va de préparation qui sont valables pour tout le monde. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, pour un exemple, ce serait le parsing d'une date qu'on aurait reçue et qui serait identique pour absolument toutes nos sources. Ben, on va le parser à cet endroit-là parce que on a besoin de centraliser l'information relative à nos préparations à cet endroit-là pour essayer d'unifier le code dans un seul projet. Une fois qu'on a fini ces traitements communs, cette donnée-là est envoyée vers notre data warehouse. Donc nous, on utilise du Redshift et c'est à cet endroit-là que la donnée est entreposée et est utilisée dans nos produits. Donc voilà, ça c'est un aperçu global de la manière dont nous, on fonctionne en termes de TL. Maintenant, je vais vous laisser Jean prendre le relais et vous parler de différents problèmes qu'on a rencontrés. Et peut-être que les solutions que nous, on a trouvées vous aideront à avancer sur vos propres projets ETL si jamais vous aviez envie de vous lancer là-dedans avec DSS. Voilà, je laisse la parole à Jean. Merci Romain. Alors, je vais moi-même me lancer dans le partage d'écran. Hop, une tâche incroyable. Super. Alors, donc comme Romain vous l'a dit, on a beaucoup de projets sources en fait. On a peut-être 15-20 projets dans lesquels le fonctionnement est quasiment toujours le même. On reçoit des données en entrée qui sont du coup partitionnées. Donc chaque jour, c'est une nouvelle partition. Ou alors même chaque client, c'est une nouvelle partition chaque jour. D'accord? Et en fait, on tente de les faire passer par tout un pipeline, par tout un pipeline qui est spécifique à cette source-là. Donc là, typiquement, on pourrait voir, du coup,
on recevrait les données, ensuite sur la gauche via un connecteur S3 de manière partitionnée. Ensuite, il y aurait une recette de préparation, puis ensuite un join avec un autre dataset, puis ensuite quelques groupes by. Voilà, ce sont des recettes data. Et le truc, c'est que quand on en a fait 10, 15 comme ça, on s'est rendu compte que c'était un peu toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on avait un ensemble de partitions en entrée, un ensemble de partitions en sortie, et tous les jours, ce qu'on voulait, c'était, ou tous les jours, ou à chaque fois qu'il y avait une modification dans la source, ce qu'on voulait, c'était que la différence entre l'entrée et la sortie soit construite, en fait. Et du coup, ce code-là qui était mis dans un scénario à chaque fois était répété énormément. Et ce qui nous posait des problèmes évidents de maintenance. Donc, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a exploité les variables de projet. Donc, les variables de projet, c'est un JSON qui est configurable au niveau du projet et dans lequel en fait on a mis des informations qui sont spécifiques au pipeline. Donc là, ce qu'on a, vous pouvez voir sur l'exemple, il y a le pipeline avec un input dataset, un output dataset et deux trois autres informations qui sont nécessaires pour faire des jobs. Et en fait, pour centraliser du coup, pour exploiter ces informations, on a fait ce qu'on appelle, de notre côté, hein, ce n'est pas un terme officiel, on a fait un master scénario. Donc, comment ça se passe exactement l'exécution à ce niveau-là? Dans le projet source, donc à gauche, il y a d'abord un trigger. Le trigger, ça peut être par exemple, un de nos partenaires a déposé un fichier sur un FTP. Ou alors, on a récupéré des informations de l'API, il faut mettre à jour les données. On a récupéré des nouvelles données, il faut les mettre à jour. Du coup, ça va trigger un scénario source, qui lui-même en fait va trigger le master scénario. Donc là, vous pouvez voir que c'est dans un autre projet, un projet d'administration. Il n'y a qu'un seul master scénario. En fait, l'objectif, c'était d'éviter d'avoir beaucoup trop d'exécutions en parallèle. Donc avec un seul scénario qu'on bloque en fait pour faire en sorte qu'il n'y ait qu'une seule exécution, on est sûr qu'il n'y a pas 25 exécutions en parallèle qui peuvent parfois être conflictuelles. Ce master scénario, du coup, il va regarder dans le projet source les variables, en fait, qui définissent du coup l'exécution, et ensuite va aller exécuter les instructions qui sont indiquées dans ces variables. Donc ça, on est assez satisfait de ce fonctionnement, puisque ça veut dire que le code est à un seul endroit, on peut bien le gérer, on peut bien le monitorer aussi, on peut voir, on a à mettre que le monitoring qui est à un seul endroit en fait. Si le scénario master plante, on peut tout de suite regarder, avoir des notifications Slack, etc. Et ainsi, du coup, aussi étendre la logique. Alors, quand je dis étendre la logique, ça veut dire qu'on peut y mettre de plus en plus de features. Donc, typiquement, ce que je vous disais au départ, c'est la construction de la différence entre input et output, c'est la logique de base qu'on a gérée. Avec l'exemple, Guillaume qui a déposé un nouveau fichier quotidien. Mais on a d'autres schémas en fait, d'utilisation, où par exemple, on aurait juste un fichier qui se mettrait à jour. Le fournisseur de données ne nous fournit pas un fichier par jour qui ne contient que la différence, c'est tous les jours, il écrase le même fichier. Là, dans ce cas-là, ce que ça implique est légèrement différent, puisqu'il faut aller supprimer dans le pipeline la partition, et la recréer intégralement. Donc ça, c'est encore une logique qu'on a pu uniformiser dans ce master scénario. On a pu aussi mettre en place, par exemple, une vérification de schéma à la sortie. On développe dans nos pipelines, et de temps en temps, il peut y avoir des problèmes au niveau des schémas dans le pipeline de sortie. Donc typiquement, dans le pipeline unifié, s'il y a des recettes Python, on sait que les entiers qui ne sont pas forcément renseignés à 100%, peuvent faire planter la recette. Donc, c'est pour ça qu'on a mis des restrictions dans les types de sortie des projets sources. Donc, à la sortie de chacun de nos projets sources, on n'autorise que certains types. Et bien, c'est en utilisant le master scénario, du coup, qu'on a pu développer ça une fois et que ça s'est appliqué à tous nos projets sources. On a aussi un problème un peu technique, qui est le passage en double partitionné, simple partitionné. Donc là, par exemple, il est possible d'avoir plusieurs
plusieurs niveaux de partition, avec par exemple le niveau 1 qui serait la source, par exemple BI-REDUC, Digitik, et le niveau 2 qui serait la date. Nous, en fait, pour des raisons techniques, on est obligé d'utiliser du simple partitionnement. Donc, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on concatène la source et la date dans un seul format qui sont du coup qui est une sorte de string en fait. Et en fait ce passage là automatique, eh bien ça nous arrivait beaucoup de fois de devoir le mettre en place. Donc encore une fois, utiliser ces variables de projet nous ont permis de vraiment centraliser toute la logique. Je vais vous présenter du coup un deuxième problème qui est un peu plus technique. Alors, c'est que les flows dans Dataiku DSS ne permettent pas de combiner des partitions. Alors, je m'explique. On a deux datasets du coup en entrée. Donc, il y a un dataset qui contient des données de BI-REDUC. Donc, BI-REDUC avec de la date du 1er janvier 2020, BI-REDUC de la date du 2 janvier 2020, etc., etc. Et un deuxième dataset qui, lui, contient des partitions complètement différentes, qui viennent de Digitik, certes avec le même format, mais aucune partition qui est en haut et aussi en bas. Or, ça, DSS, contient une recette qui utilise plusieurs inputs. DSS va requérir la partition d'input dans chacun des datasets. Ce qui veut dire que avoir un dataset de sortie qui contient uniquement toutes les partitions de l'entrée, donc les partitions BI-REDUC et les partitions Digitik, n'est en théorie pas possible. Or nous, si vous vous souvenez de notre schéma de l'architecture avec toutes les sources qui ensuite se fusionnent en un seul gros dataset, eh bien cette partie-là est cruciale puisque on cherche à avoir un dataset unifié dans lequel il y a toutes les partitions. Alors, comment on a contourné ce problème? Eh bien, on a utilisé en fait une recette Python. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un scénario qui va du coup regarder les partitions en entrée et les partitions en sortie et qui va construire la différence. Donc ça, c'est classique. Mais quand on va demander à la recette Python de construire une partition, la recette Python en fait va boucler sur toutes les entrées et va dire tiens, je récupère les données du dataset numéro 1. Ça plante. Bonne chose, les recettes Python, du coup, c'est du code. Il y a un système de gestion des exceptions. On peut donc récupérer cette exception et juste la mettre en warning ou l'ignorer totalement. Et comme ça, du coup, on parcourt tous les datasets en entrée. On ne demande pas l'autorisation, on essaye et si ça casse, et bien on passe à l'autre. Et ensuite, et bien on fait un sanity check. Si l'un des datasets d'entrée a la partition, dans ce cas-là, on la copie dans la sortie. Si on a plusieurs ou zéro pour la partition, ça, ce n'est pas un cas normal du tout. C'est pourquoi est-ce qu'on a demandé de la construire si personne n'a la partition? Ou le fait qu'il y ait plusieurs datasets qui aient la partition n'est vraiment pas quelque chose qu'on gère de base. Et bien, dans ce cas-là, on a fait en sorte que la recette échoue. Alors je rejoins Romain quand il dit que les recettes Python sont pratiques parce qu'on peut faire beaucoup de choses. Cependant, les recettes directement dans Dataiku ont l'avantage de gérer le schéma. C'est-à-dire que si vous, via l'utilisation de Simple, vous pouvez réécrire le schéma de sortie et aussi regarder des cohérences de schéma dans le flux. Là, l'utilisation d'une recette Python rend la chose impossible puisqu'on a la totale maîtrise, donc le schéma n'est plus géré par DSS. Donc, en fait, on a mis un check dans le scénario que l'ensemble des schémas des datasets d'entrée correspondaient bien au schéma du dataset de sortie. Donc, je rajoute aussi, en plus de ces deux problématiques que je viens d'aborder, la problématique de l'administration des partitions au quotidien. Vous avez compris que nous, on utilisait beaucoup de partitions, que c'était même le cœur de notre sujet, parce que ça nous permet de traiter en fait un jour de données simplement, alors que traiter l'intégralité de nos données prendrait énormément de temps. Pour information, je pense qu'on est dans les 5-6 000 partitions actuellement,
peut-être même beaucoup plus. Et une partition fait peut-être 3000 lignes maximales. Et on a environ 100 millions de lignes dans notre dataset final. Donc, vous comprenez bien que gérer 6000 lignes plutôt que 100 millions de lignes, eh bien, c'est tout de suite beaucoup plus intéressant d'utiliser des partitions. Donc, d'où notre choix. Pour administrer les partitions au quotidien, les choses qu'on utilise et qui sont très très pratiques sont le notebook de suppression de partition. Donc ça, c'est un notebook qu'on a créé nous-mêmes, dans lequel en fait on rentre quelques paramètres, par exemple le nom du projet et une regex par exemple sur les partitions, qui nous permet par exemple de supprimer toutes les partitions d'un client. C'est extrêmement pratique quand par exemple l'un de nos fournisseurs d'accès, l'un de nos fournisseurs de données, pardon, nous envoie de mauvaises données sur une journée. Dans ce cas-là, on a juste à faire une requête pour supprimer toutes les partitions et les reconstruire. De même, si on se rend compte que, par exemple, chez un des fournisseurs de données, on ne récupérait pas jusqu'à présent l'un des champs, c'était une mauvaise chose, on le récupère maintenant, donc on change la recette d'entrée. On a juste à supprimer ces partitions-là et à supprimer de tout le pipeline et de les reconstruire pour que les modifications soient appliquées. Donc, voilà, si vous commencez à devenir sérieux dans votre utilisation des partitions et que vous souhaitez les administrer facilement, je vous conseille fortement d'utiliser un notebook ou des outils d'administration comme ça et de vous les créer. Il y a une deuxième utilisation qui nous a beaucoup aidé, c'est le data lineage. Donc ça, c'est un principe général dans les systèmes de gestion de données qui est d'essayer de faire en sorte que quand on a une donnée qui est problématique, on soit capable assez facilement de remonter vers sa source. Nous, dans notre système de construction de partition, c'est très simple puisque une donnée, si elle est associée à sa partition, on sait du coup quand est-ce qu'on l'a reçue et quel est le client, la source de données qui est impactée. Donc, on a toutes les informations nécessaires. Encore faut-il, évidemment, conserver l'information de partition au fur et à mesure du pipeline. Donc, c'est ce que j'évoque ici. Il est possible, en fait, via une recette Python, de récupérer l'information de la partition et de l'écrire en tant que colonne indépendante. Donc ça, voilà, ce sont des petits morceaux d'informations, des petites choses qui nous sont extrêmement pratiques dans notre gestion quotidienne de notre ETL automatisé. C'est d'ailleurs quelque chose qui est en production maintenant, DSS et notre système ETL de prod, ce qui est la raison pour laquelle on se pose tant de questions aussi compliquées sur l'efficacité, etc. Mais du coup, nous, on grandit aussi dans notre réflexion autour de l'ETL et on a encore quelques problématiques que je vais soulever ici, des défis. Et voilà, si dans un espace plus libre ou dans une discussion, vous avez des retours sur ces défis, nous, on est extrêmement preneurs et on a très envie aussi d'avancer avec la communauté d'Ataku sur ces sujets. Alors, le premier défi, du coup, c'est le développement sans affecter la production. Donc, vous le savez peut-être, il y a Dataiku, dans l'Automation Node, propose un système de bundle. C'est-à-dire que vous pouvez exporter un projet et l'importer dans une autre node qui n'est pas du tout faite pour le développement, mais qui est faite uniquement pour l'automatisation. On a encore quelques problèmes avec ça. Notamment en fait dans notre utilisation intensive des partitions, on aimerait beaucoup par exemple que quand un bundle est exporté, les données soient effacées en local et qu'il y ait un versionnement en fait des données, qu'on puisse revenir assez facilement sur la version des données précédentes en même temps que le bundle. Donc ça, on a commencé à parler avec Dataiku DSS sur le sujet. Ils sont preneurs de nos retours, mais si vous avez des retours d'expérience, on est très intéressé. Mais de manière générale, on a discuté un peu avec le responsable data excusez-moi, de Deezer, voilà, qui nous a dit que lui, qui nous a donné un principe très intéressant, qui est que
que pour le développement, il est intéressant en fait de lire en prod et d'écrire en dev. Et ça, en effet, c'est quelque chose qui nous attire beaucoup d'être capable en fait de prendre un petit morceau du pipeline et de dire, bon, ben voilà, je fais un test, etc. J'itère dessus et dès que je suis content, je vais le merge avec le pipeline principal. Donc, de même, si vous avez des retours d'expérience, ce serait très intéressant. Ensuite, vu qu'on a une certaine culture dev dans notre boîte, on serait aussi très intéressé par des systèmes de peer reviewing. Donc, voilà, quelqu'un fait une recette d'un côté, avant de le merge au pipeline principal, il serait très intéressant que ses collègues puissent relire ce qu'il a fait et qu'on se donne notre avis avant un passage en prod. Ensuite, il y a quelque chose qui est beaucoup plus général, qui est les tests. On en a déjà quelques-uns. Dataiku en propose, en fait, dans les données qui sont écrites, propose de faire des tests de cohérence. Du coup, vu que nous, on se pose beaucoup de questions sur le déploiement, on aimerait beaucoup aussi travailler sur les tests au cours de déploiement, donc après, enfin, avant justement que le code qu'on vient de réaliser ou la logique qu'on vient de mettre en place soit déployée en production. Cette présentation est maintenant terminée. J'espère que ça vous a donné quelques billes intéressantes sur la manière dont on fonctionne et dont on peut fonctionner en tout cas avec DSS pour faire de l'ETL. Et on est maintenant prêt à répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Hyper intéressant. On a une question, une remarque plutôt de Frédéric dans la conversation, que le data lineage serait en information optionnelle, serait-il un standard DSS sans code? Alors nous, on ne fait pas partie de DSS, donc on est d'accord que ce serait une bonne chose. Après, il faut faire attention puisque ça affecte des schémas, etc. C'est assez lourd, mais on serait preneur. Déjà, je crois qu'il y a des travaux là-dessus. Faire en sorte que la colonne de partition soit disponible autre part que dans une recette Python, mais dans une recette de préparation, serait déjà une super avancée. Parce que ça voudrait dire qu'on pourrait faire directement aussi le data lineage sans passer par du Python. Mais tout à fait, c'est une très bonne remarque. Est-ce qu'il y a des questions sur la présentation? N'hésitez pas à vous. Alors, il y a une question dans le chat. N'hésitez pas non plus à la poser en live. De Amine, utilisez-vous un Git pour centraliser les codes? Le principe de pull request permet justement une review du code avant de merger avec la branche master qui correspondrait au pipeline. Tu as tout à fait Ah raison. ouais, Tu veux y répondre, Romain? Vas-y. Ah non, je sais pas, je vais commencer. Donc oui, nous on utilise du Git pour faire des PR effectivement sur le code qu'on utilise. En gros, tout le code qu'on utilise dans DSS, en tout cas au maximum du Python qu'on utilise est partagé en tous les projets et est disponible dans un endroit, enfin dans un dossier qui est partagé avec tous les projets. Ce dossier-là, on l'a mis sur un Git, donc effectivement, on fait des PR régulières dessus. Ce qui nous manque en fait simplement, c'est qu'au moment en fait où le déploiement a été fait, ça arrive directement en prod en fait. S'il manque quelque chose dans la PR, on s'en rend compte un peu trop tard. Il n'y a pas la possibilité d'avoir des tests entre le moment où on est en train de pull et le moment où ça arrive en prod. Donc ça c'est un problème qu'on essaie effectivement de tacler avec Git, mais on va pas vraiment jusqu'au bout de ce qu'on pourrait faire avec de la CI, on va dire. Je sais Si, pas si t'as d'autres trucs à ajouter par rapport à ça, Jean. ouais, tout à fait. Bah, en fait, il y a aussi toute une partie dans laquelle il n'y a pas de peer review qui sont tout simplement les recettes visuelles où là, en fait, il n'y a pas de système de merge ou de système similaire du coup à Git. Et du Ouais, coup, c'est vrai. bon, si on fait tout, absolument tout en Python, je trouve que ça perd une certaine force de Dataiku de la manipulation de données. Je trouve que les recettes visuelles apportent énormément.
Et du coup, voilà, c'est aussi là-dessus qu'on a besoin d'une, enfin, qu'on aimerait avancer au niveau des pull requests. C'est tout simplement être capable de voir ce qu'a fait une autre personne sur la recette visuelle avant de l'accepter en production. Merci beaucoup. On va passer à la deuxième partie, si vous le souhaitez, et si vous avez d'autres questions, le groupe en ligne sera là pour ça. Je mettrai le lien dans le chat. Merci beaucoup, Jean et Romain, pour cette présentation. Yacoub, je laisse prendre la main. Yacoub gère notre équipe analytique, et donc va présenter un projet DSS qu'on utilise en interne et donner quelques bonnes pratiques qui ont émergé. N'hésitez pas à poser des questions à tout moment, à vous enlever de mute ou à échanger, donner un retour d'expérience sur telle ou telle fonctionnalité. Ok, super. Alors, est-ce que vous voyez bien dans mon écran ? C'est bon. Super. Alors déjà, un grand merci à Jean et à Romain. J'ai appris des choses, donc je pense que je vais joindre plus souvent à des événements communauté. Donc, alors une présentation très rapide. Alors, je m'appelle Yacoub et je suis donc lead analytics chez Dataiku. Pour être plus précis, je manage une équipe de 6 personnes, de data analystes internes, et on travaille donc avec toutes les données en interne que nous avons au sein de Dataiku. Donc, ça peut être des données commerciales, des données marketing, les données de support, etc. Et on le fait, bien sûr, en utilisant notre propre produit, donc DSS. Alors, plutôt que de faire une slide avec les bonnes pratiques en bullet point, je pensais que c'était plus intéressant d'aller dans DSS et vous montrer un projet particulier sur lequel on a travaillé, qui est un projet d'ETL qu'on a autour des données de Salesforce. Donc, encore une fois, comme Lisa a dit, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, à les poser pour que ça soit un petit peu plus interactif. Alors, pourquoi Salesforce ? Je dirais qu'il y a deux raisons. Donc, la première, c'est que c'est le CRM qu'on utilise en interne. Donc, s'il y a certains utilisateurs qui voient en fait l'aspect plus front-end du logiciel comme un outil de gestion de la relation de clients et prospects, il s'agit en fait d'une mine d'or en termes de données. Donc, c'est une base de données énorme qui n'attend qu'à être exploitée. Donc, c'est pour ça qu'on voulait récupérer la donnée pour soit faire de l'analyse un peu plus poussée, soit appliquer des process dessus. La deuxième raison, c'est que Salesforce a ses limites. Donc, c'est compliqué si on veut faire des analyses un petit peu plus poussées au niveau temporaire. Donc, si vous voulez travailler avec des données historiques. Et puis, il y a des limitations qui sont encore plus simples, typiquement certains types de champs pour lesquels c'est compliqué de faire des rapports ou des dashboards dans Salesforce directement. Donc, vous voulez vraiment, vraiment sortir cette donnée de Salesforce. Alors, comment on les utilise chez Dataiku ? Donc, on va commencer par le E de l'ETL, donc l'extraction, et on va aller directement dans le projet où ça se passe, donc dans notre DSS. Donc ici, vous pouvez voir que c'est ce qu'on appelle un projet RAW. C'est un projet dont le seul but, l'unique but, est de récupérer les données brutes, donc qu'on ne transforme pas du tout ici. Donc, dans l'exemple que vous voyez sous vos yeux, on va récupérer, donc en utilisant un plugin Salesforce, que vous pouvez d'ailleurs trouver sur le plugin store et l'installer directement sur votre instance, on va récupérer les objets principaux qui nous intéressent, donc les licences, les leads, les accounts. Donc, typiquement ici, vous pouvez voir qu'on utilise donc un format JSON quand on récupère les données et il s'agit uniquement de données brutes. Donc, on a ça sur tous les clients, sur tous les objets qui nous intéressent. Et derrière, on va appliquer tout de suite une sync recipe pour créer des partitions. Donc ici, ce qu'on voulait absolument avoir, c'est un snapshot des données Salesforce chaque jour. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant pour nous et pour vous en général. Si vous voulez travailler sur des données historiques, c'est quelque chose qui est très intéressant. Puis, ça nous permet aussi d'avoir un petit backup. C'est-à-dire que si jamais on a un souci des données Salesforce, quelqu'un a fait une fausse manip, on peut toujours utiliser les données qu'on a dans les partitions du jour précédent et faire un mini push via DSS pour résoudre en fait le problème. Donc, quand il s'agit de partitions, je pense qu'en termes de bonnes pratiques, les choses qu'il faut garder en tête, c'est que les partitions peuvent être utilisées à des fins différentes. C'est-à-dire que parfois, pour l'extraction,
Vous allez chercher à optimiser les calls API que vous faites à un certain logiciel. Donc ici, l'idée, ça sera de créer des partitions avec les données qui sont les records qui sont créés à un jour particulier, ce qui va vous permettre en fait de limiter le nombre d'API calls. Par contre, si jamais vous voulez vraiment créer des snapshots de votre donnée par jour, là, vous allez faire du full rebuild à chaque fois et créer des données par jour. Donc, en termes de bonnes pratiques, il faut tout simplement vous poser la question comment vous voulez setup vos partitions. Donc, comme Jean et Romain ils disaient, il y a plusieurs dimensions que vous pouvez utiliser. Vous pouvez utiliser le temps, vous pouvez utiliser la source de la donnée, comme c'était le cas avec Digitik ou Billet Reduc dans leur cas. Mais en tout cas, si je pouvais vous donner un conseil, c'est essayer d'anticiper un petit peu vos besoins futurs. C'est-à-dire que peut-être que vous n'avez pas besoin de partition aujourd'hui sur votre donnée, mais c'est quelque chose qui sera intéressant dans le futur parce que vous pourrez faire des analyses, on va dire, plus temporelles sur vos données. Et c'est quelque chose qu'on fait chez Dataiku. En fait, on est parti du principe qu'il vaut mieux prendre le risque de mettre en place des partitions dès le début, même si à la fin, vous allez vous servir uniquement de la dernière partition, donc vos recettes, que ce soit visuelles ou code, vous pouvez choisir la partition que vous voulez utiliser. Il vaut mieux en fait qu'elle soit setup et non utilisée plutôt que d'arriver à un moment où vous avez besoin de partition et vous vous dites si jamais je l'avais fait plus tôt, ça aurait été cool. Donc nous, on essaye pour tous les systèmes les plus important pour nous, donc Salesforce, Gainsight, les données de Bamboo, on essaie de créer des partitions dès le début pour, dans le futur, avoir des données historiques pour mener des analyses. Donc ça, c'était un petit peu les best pratiques lorsqu'il s'agit de l'extraction. Encore une fois, je ne vais pas rentrer trop en détail dans les partitions car ça a été déjà très bien détaillé par Jean et Romain. Je vais passer sur la partie transformation. Avec un autre projet qui est Salesforce Reports. Donc, allons voir ce qui se passe ici. Ici, nous avons le cas d'un projet, ce qu'on appelle un projet intermédiaire. Donc, un projet intermédiaire, c'est ici que va se faire toute la transformation de données, la préparation de données, l'agrégation de données. Et pourquoi on fait ça ? Dans le cas de Salesforce, il s'agit de données qui sont intéressantes pour plein de personnes. C'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes, donc les implementation managers, par exemple, chez nous, qui seront intéressés par ces données-là. Nous avons les CSM qui sont intéressés par ces données-là. Donc, pour nous, ça fait sens, en fait, d'avoir un projet intermédiaire dans lequel on va créer des datasets de référence qu'on va ensuite partager avec d'autres utilisateurs dans d'autres projets. Alors, pourquoi, encore une fois, c'est si intéressant ? Alors, il y a une grande question qui est celle de l'optimisation de ressources. Donc, en fait, on essaye de capitaliser sur l'existant au maximum. Dans le cas de Salesforce, c'est le cas pour les call API, par exemple. Pourquoi faire des call API et que chaque utilisateur de DSS, enfin, les différents utilisateurs de DSS fassent des calls à Salesforce pour récupérer de la donnée alors qu'on l'a déjà. On optimise le stockage également. Pourquoi stocker 1000 datasets similaires? Et puis, il y a le facteur temps aussi, donc les utilisateurs finaux, pourquoi ils passeraient du temps en fait à préparer de la donnée alors que quelqu'un l'a déjà fait et en plus par quelqu'un qui connaît cette donnée. Donc, c'est important pour nous de capitaliser sur les ressources existantes. Et en plus de, on va dire, cet aspect optimisation, ça nous permet aussi de nous assurer que tout le monde part des mêmes données pour faire leur analyse plus poussée. Donc, si on prend l'exemple des données de support, par exemple, les données de support, quand on va avoir un projet RAW où on récupère les données de support, ensuite un dataset, un projet intermédiaire où on va computer des métriques, on va mettre tout le monde d'accord sur la définition de ce qu'est un ticket ouvert, par exemple. Donc là, nous, ça nous permet de nous assurer qu'on crée des datasets de référence qui ont des définitions bien spécifiques et que les analyses supplémentaires qui sont faites par les autres utilisateurs partent de la même base. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très, très important pour nous. Au niveau des bonnes pratiques, lorsqu'il s'agit de la transformation, je dirais qu'il y en a quelques-unes qu'il faut garder en tête. La première, c'est les computation engines. Donc, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, encore une fois, car on peut trouver du contenu sur le sujet dans la documentation DSS, mais aussi sur le portail Academy. Vous avez des discussions dessus sur la communauté.
Mais en gros, ce qu'il faut garder en tête, c'est que les calculs ont forcément un coût en ressources et une manière de l'optimiser, c'est d'exécuter vos jobs le plus proche de la donnée, donc généralement en database. Et bien sûr, tout dépend de vos besoins, des langages de programmation que vous allez utiliser. Romain, qui adore la recette Python, ne va pas forcément pouvoir en profiter. Mais nous, vous allez voir que très rapidement, en fait, on va pusher le tout dans une base de données SQL, donc PostgreSQL Analytics, pour justement profiter de ça, de l'optimisation. Donc, bien sûr, on voulait aussi run du SQL, on voulait avoir accès au notebook SQL, mais ici, l'idée des computation engines est toujours présente et sur un très grand projet, c'est quelque chose qui fait pour le coup vraiment du sens. Donc, préférez le SQL plutôt que Python pour éviter des problèmes de mémoire. Donc, et puisqu'on parle de problèmes, ça me permet de faire le point avec... avec le second point en termes de bonnes pratiques et qui a d'ailleurs été mentionné par Jean et Romain précédemment, c'est tout ce qui touche au scénario et du reporting. Donc, si vous construisez un projet d'ETL au sein de votre entreprise, il y a de très, très fortes chances que vous vouliez l'automatiser. Donc, pour ça, vous allez utiliser des scénarios. Donc là, vous avez un exemple de scénario qu'on a sur Salesforce avec les différents triggers. Donc ici, on a un trigger time-based. Donc, on lui dit de runner les étapes qui se trouvent ici. Donc, en gros, le refresh des datasets chaque jour. Mais encore une fois, c'est quelque chose que vous pouvez setup de manière différente. Vous pouvez créer des interdépendances entre projets. Donc là, typiquement, ce qui ferait sens, c'est dès que vous avez un projet RAW où vous récupérez la donnée et ensuite un projet intermédiaire, vous pouvez faire démarrer le refresh de votre projet intermédiaire à partir du moment où les données du projet RAW sont rafraîchies. Donc, créer une interdépendance entre les deux scénarios pour que les deux s'enchaînent et qu'ils ne partent pas en même temps, par exemple. Donc, ça, c'est un aspect intéressant. Et la deuxième chose qui est importante, et chez nous, c'est vraiment le cas, c'est les reporters. Donc, en gros, sur les différents scénarios que vous avez la possibilité de créer des reporters pour recevoir des alertes sur le statut de votre scénario. Donc là, typiquement, nous avons un reporter qui nous envoie une alerte lorsque le scénario débute dans un channel Slack Analytics. Donc, dès que ça démarre, on reçoit une notification. On a un deuxième lorsque celui-ci est terminé. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez configurer. En plus, vous avez la possibilité d'utiliser des alertes mail, des alertes Slack, vous pouvez utiliser Microsoft Teams. Donc, n'hésitez surtout pas à le faire. Et chez Dataiku, on a aussi fait le choix de suivre ça un petit peu en interne côté admin. Donc, je vais vous montrer rapidement un projet où, en plus de ça, pour avoir la main un petit peu sur tous les projets que nous avons sur l'instance, on part ici d'un editable dataset où on a les projets les plus importants pour nous avec les owners, donc les utilisateurs qui les maintiennent. Et derrière, tous les jours, on fait partir une alerte, un channel Slack spécifique sur lequel on va recevoir ces alertes-là. Donc, je vais vous montrer ça très rapidement. Analytics. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui. On voit le projet DSS. Le projet DSS. Ah, attendez. Ouais. Alors, du coup, je vais changer rapidement ma manière de partager l'écran. Je suis désolé, donnez-moi deux petites secondes. Voilà, donc ça, c'est notre channel Slack spécifique où on va avoir des notifications sur les scénarios qui sont en prod et qui sont en lab et on va poker directement les owners de projet. Donc, vous allez voir que typiquement, on peut avoir deux owners de projet. Pourquoi on fait ça? Parce que déjà, la partie ownership est très, très importante puisqu'il s'agit très souvent de projets qui sont stratégiques.
pour nous. Donc, c'est quelque chose qui, faut que ça tourne, désolé pour le terme, ça tourne de manière vraiment, vraiment stable. Donc, chez nous, on va toujours définir un owner du projet qui va vraiment s'occuper de toute la maintenance de ce projet-là. Et en plus, pour les projets les plus critiques, désigner une deuxième personne, donc un deuxième owner, qui va s'assurer que si le premier owner n'est pas là ou par exemple n'a pas vu la notification, il peut prendre, il connaît le projet assez bien pour prendre en charge et le fixer si jamais il y a une erreur dessus. Donc ça, c'est également quelque chose qui est très, très important pour nous. Donc, n'oubliez pas le reporting pour les projets les plus stratégiques parce que ça vous permettra de fixer les erreurs le plus rapidement possible, reconstruire des partitions s'il faut reconstruire des partitions et s'assurer que tout le monde a de la donnée fraîche. Je vais repartir sur ma présentation et partager à nouveau mon écran. Hop. Et du coup, la dernière partie qui est le load, je vous avoue que j'ai triché un petit peu parce que j'ai pris une définition un petit peu large du load. Donc, en gros, on peut avoir plusieurs choses lorsqu'il s'agit, enfin, on peut comprendre plusieurs choses par le terme load. Dans le cas précis de chez Dataiku, en fait, on va utiliser plusieurs choses. On va d'abord donc parfois pusher dans des bases de données spécifiques. Donc, c'est le cas, typiquement, on va exploiter les données de Salesforce et pour des visualisations un peu custom, on va utiliser une recette sync et envoyer le dataset d'output qu'on aura agrégé de la manière dont on veut, qu'on aura préparé de la manière dont on veut, dans une base Postgres Tableau qu'on va ensuite récupérer donc, les datasets dans Tableau pour créer des visualisations dessus. Donc, en fait, on va pusher nos données qui ont été préparées d'une manière spécifique dans une base de données qu'on exploite par ailleurs. Mais on fait aussi du push vers d'autres projets. Et ça, c'est le cas, par exemple, vers d'autres outils. C'est le cas de Salesforce. Très souvent, on peut récupérer des données de Salesforce, ensuite faire des transformations et ensuite les pusher back dans Salesforce. On a un grand projet qui nous permet de faire ça en interne. Donc, en fait, on va récupérer les données de différentes sources, donc les données de support, les données de feedback NPS, certaines données d'usage, les enquêtes de satisfaction, la communauté, etc. On va essayer de créer ce qu'on appelle une Customer View 360. Donc, agréger toutes ces données-là. Ensuite, les pusher dans Salesforce pour que tous nos utilisateurs de Salesforce aient une compréhension globale de ce qui se passe sur des clients ou des prospects. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait de manière régulière. Mais on a aussi des petits pushs, donc bien plus petits. Et je vais vous montrer ça dans Salesforce Processes. Mais avant, juste pour faire un petit point sur pourquoi, encore une fois, on a besoin du reporting et pourquoi c'est des choses critiques, je vais vous montrer rapidement comment le projet Salesforce Reports est connecté à d'autres projets sur notre instance. Donc ça, c'est une vision qui est particulière. C'est la vision graphique de nos projets sur l'instance. Alors, je suis désolé, ça tourne, mais vous devrez le voir dans quelques secondes. Donc voilà, là, on voit l'ensemble de nos projets sur l'instance analytique qui, ici, dans ce cas-là, est un design node. Et nous avons Salesforce Reports qui se place ici. Et encore une fois, si je dézoome, vous voyez à quel point ce projet est connecté avec d'autres projets. Donc, c'est pour ça que pour nous, il est stratégique que ce projet soit, enfin, que les datasets soient toujours rebuildés, qu'on ait de la donnée fraîche, parce que derrière, il y a d'autres projets qui l'utilisent pour faire soit de l'analyse plus poussée. On fait aussi des process, donc on fait des envois d'emails automatisés en fonction de la donnée. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont basées dessus. Et pour nous, c'est hyper important. Pour revenir rapidement à mon dernier point, je voulais montrer Salesforce Processes où, pour le coup, on va donc regrouper tous les petits process où on va pusher les données dans Salesforce dans un seul projet. Alors, pourquoi on fait ça? C'est parce que, comme vous avez vu sur la mosaïque précédente, on a énormément de projets sur notre instance. Si on a un utilisateur qui crée un push dans Salesforce, mais que d'autres utilisateurs ne sont pas au courant, bah, ça peut créer des problèmes. À partir du moment où ce push ne marche pas ou alors qu'il fait des conneries, excusez-moi pour le mot,
En fait, on va passer du temps à essayer de trouver sur notre instance, alors que ici, regrouper le tout en un seul endroit, c'est quelque chose qui nous permet justement de d'avoir une vision globale sur tout ce qui est pushé dans Salesforce, tous les petits process indépendants qui sont pushés dans Salesforce. En termes de bonnes pratiques, donc quand vous avez un projet comme ça où vous avez des parties de flow qui partent dans tous les sens, c'est bien d'utiliser du tag, bien sûr. Donc pour chaque partie du flow, vous allez pouvoir comprendre ce qui se passe. Et il y a un aspect qui est très très important et pour le coup il s'applique à l'ensemble des projets, c'est la documentation. Alors moi je suis un peu biaisé là-dessus parce que je manage une équipe, du coup j'ai toujours besoin que les projets soient documentés parce que parfois il y a des personnes qui sont absentes, parfois il y a des personnes qui partent de l'équipe pour rejoindre une autre équipe et on se retrouve à maintenir des projets qu'on n'a pas construits. Donc pour rentrer dedans, parfois ça peut être très compliqué et c'est pour ça que je vous conseille réellement d'utiliser la documentation. Donc dans DSS, vous allez avoir la fonctionnalité de wiki qui vous permet de vraiment documenter votre projet, créer des relations. Donc typiquement, si jamais vous voulez expliquer un data push, vous pouvez tout de suite rediriger vers la bonne recette. Donc tout est bien construit de ce côté-là. Donc n'hésitez surtout pas à utiliser la documentation parce qu'à partir du moment où il va y avoir soit de la maintenance sur un projet avec une personne qui n'est pas là, qui l'a construite, ça va vous faciliter les choses, mais d'une manière vraiment, vraiment considérable. Et pour tout ce qui est ownership du projet, c'est quelque chose qui va vous aider à gagner du temps. Merci beaucoup, Yacoub. Donc, c'était un petit peu partage de bonnes pratiques, encore une fois, très haut niveau, mais des choses auxquelles vous pouvez réfléchir et penser lorsque vous travaillez sur vos projets ETL. Génial. Il y a eu deux petites questions dans le chat. La première de Frédéric, est-il possible, à laquelle Jean a répondu un petit peu, est-il possible d'avoir le meilleur des deux mondes en permettant une analyse en mode explore, non partitionné des données, sans créer de datasets, de recopies sans partition uniquement pour cela. Idem pour les exports. Alors, les gens... le meilleur des deux mondes, en permettant l'analyse en mode explore, non partitionné des données. Les gens ont répondu, il est possible de faire des samples d'analyse sur la totalité des données, sur un dataset exactement. Partitionné. Exactement. C'est-à-dire que si jamais vous voulez passer sur du mode explore, lorsque vous travaillez sur des données partitionnées, alors je vais vous montrer directement, ce sera peut-être plus simple. Merci beaucoup, Jean. Hop. Donc, alors, je vais partir sur les données brutes parce que j'ai pas envie de vous montrer des données Salesforce. Hop. Donc, si nous allons sur une partition particulière, enfin sur un dataset particulier, dans le sample, vous avez la possibilité de choisir les partitions. Donc, si vous voulez travailler sur une partition particulière, ou alors choisir l'ensemble des partitions. Donc, ça, c'est quelque chose, bien sûr, il va falloir faire gaffe au niveau de la mémoire lorsque vous sélectionnez un grand sample avec toutes les partitions. Mais pour faire de l'analyse exploratoire, là, pour le coup, c'est quelque chose qui est possible grâce aux méthodes de sampling. Super. Et une question de Sébastien. Est-ce que le wiki... et celui de DSS, où est-ce qu'on peut prendre notre wiki? Alors, qu'est-ce que Sébastien, qu'est-ce que tu veux dire par autre wiki? Un wiki externe à celui de DSS. Alors, pour le coup, l'inclure dans DSS, non. Par contre, dans le wiki de DSS, vous pouvez expliquer que le lien, en fait, vous pouvez mettre un lien vers le wiki externe. L'avantage du wiki de DSS, c'est qu'encore une fois, vous allez pouvoir créer des relations. Des relations dans le sens où si jamais vous voulez, dans un projet particulier, faire référence à une récipe qui est un petit peu complexe et qui peut être complexe pour les users qui, lorsqu'ils la lisent, la décrire dans le wiki et ensuite mettre le lien directement vers cette recette-là. C'est pareil pour tout ce qui est dataset, donc tous les projets qui sont sur votre instance, tous les objets en fait, donc que ce soit dataset, recette, même scénario, vous pouvez
créer des liens dans ce wiki-là. C'est un wiki qui est supporté, donc qui supporte Markdown, donc très très facile à prendre en main. Vous pouvez créer des articles, vous pouvez partager des wikis sur la homepage. Donc c'est quelque chose qui est très utile, et le wiki interne, ouais, ça sert à ça. Donc pas possible d'intégrer un wiki externe dans DSS. Super, merci. Ça paraît répondre à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je sais qu'on a un petit peu dépassé le temps, mais... Désolé. Hein. Non, c'est très riche en informations. Merci beaucoup. S'il y a d'autres questions ou d'autres retours d'expérience, si vous avez essayé quelques fonctionnalités décrites par Yaku, n'hésitez pas. Sinon, sinon, je vais terminer en vous repartageant. Ah oui. Bonjour à tous, vous m'entendez? Je préfère parler. Bonjour. Donc, je me représente rapidement, c'est Mehdi. J'ai déjà aussi travaillé pas mal sur des pipeline data. Et je reviens au débat, au débat rapide sur recette visuelle ou recette Python. Il y a un truc ultra puissant de DSS, c'est aussi le côté orchestrateur. C'est-à-dire que quand on fait les recettes visuelles prepare, on peut dire que l'allocation de ressources pour faire tel ou tel travail sera plutôt in-database. On est d'accord, sauf un doute, que quand on passe en Python, on n'a plus cette possibilité et que ce sera forcément la machine, le serveur alloué qui fera ses calculs en interne. Non, il y a des possibilités maintenant, je crois, de passer sur Kubernetes et d'exporter certains jobs. En fait sur d'autres serveurs. Là pour l'instant c'est pas quelque chose qu'on utilise personnellement puisque nos jobs pour l'instant sont suffisamment petits et c'est plus les traitements, enfin les passages de données qui nous font peur du coup d'une machine à l'autre. Mais ouais, il y a moyen d'externaliser ça dans des Docker. C'est okay, bien ça. Oui, oui, c'est ça. Je confirme ce que dit Jean. Donc, par rapport à ça, effectivement, vous avez d'autres possibilités, mais généralement, sur du Python, si vous n'exploitez pas justement tout ce qui est Docker of Kubernetes, vous allez le faire tourner en mémoire. Et même pour les recettes visuelles, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la recette prepare recipe, qui est hyper puissante, il y a des processeurs qui ne peuvent pas être exécutés en in-database. Donc, il y a une liste des processeurs qui peuvent être convertis en fait en SQL et dans ce cas-là, ils seront tournés en in-database, mais d'autres non. Donc, attention sur la prepare recipe parce qu'il n'y a pas tous les processeurs qui peuvent pouvoir le faire. Ok. Sur tout ce qui est autres recettes, donc même si vous utilisez des recettes visuelles, donc join, group by, etc., ça sera converti en recette SQL et ça sera runné in-database. Mais sur la prepare recipe, attention parce que pas tous les processeurs peuvent le faire. Et d'ailleurs, il y a un truc intéressant au niveau des partitions et au niveau des databases. Du coup, c'est la raison pour laquelle on est principalement sur du CSV compressé, comme Romain le disait. C'est qu'en fait, les partitions sont stockées sous la forme d'une colonne sur du SQL. Et du coup, en fait, si on a des petites partitions, mais qu'on en a énormément, le SQL peut être lent dans la récupération de la partition en fait en question. Et du coup, c'est pour ça qu'on utilise le CSV parce que naturellement, via le file system, c'est naturellement indexé. C'était notre petit retour d'expérience, mais peut-être aussi qu'on a mal fait nos tests en in-database. On serait très preneur de retour. Pourquoi du CSV compressé dans du parquet? Alors, la réponse est simple, c'est que toutes les techniques de Big Data sont assez massivement, enfin, nécessitent énormément de configuration. Nous, comme vous l'avez compris, on est deux personnes qui... donc, on utilise DSS, mais on ne maintient pas seulement ce pipeline-là, on maintient aussi Redshift, et derrière, une infrastructure click pour former le dashboard, etc. Donc, on a essayé, par exemple, de faire du Spark et de partir sur d'autres formats,
Mais pour l'instant, le coût à l'entrée nous a un peu découragé d'aller plus loin. Mais si, Amine, si tu as des retours sur le parquet, nous serions très intéressés. Alors, un des problèmes aussi peut-être avec Parquet, c'est que c'est un format qui est super quand on a beaucoup de données. C'est hyper indexé, donc ça va super vite. Mais nous, on a beaucoup, beaucoup de partitions, comme Jean l'a dit. Et du coup, l'overhead de lecture et écriture sur plein de partitions sur ce type de format, il n'est pas compensé en fait par la rapidité du process sur le format. Donc, en fait, on perdrait du temps à attendre qu'il y ait des transferts de données ou de la lecture, ce qui va beaucoup plus vite. En fait, si on avait par exemple moins de partitions, mais des partitions beaucoup plus grosses, je pense que ça deviendrait intéressant, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Super, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Ou retour d'expérience. Très bien, du coup, je vais simplement conclure en repassant la page du groupe utilisateur Paris où l'enregistrement de cet événement sera posté demain. Donc, n'hésitez pas, c'était très compact en information. Merci énormément à Jean, Romain et Yacoub d'avoir partagé votre expérience. J'imagine que beaucoup vont regarder l'enregistrement et après il sera beaucoup partagé. Il sera posté sur la communauté Dataiku, community.dataiku.com, ainsi que l'onglet User Group et vous verrez le groupe utilisateur Paris. On postera également sous forme écrite quelques bonnes pratiques qui sont issues de cet événement sous forme de récap. Et n'hésitez pas, vous avez reçu un email avec différents liens utiles que j'ai remis dans le chat. Avec le formulaire pour si vous souhaitez discuter du rôle de User Group Lead ainsi que le questionnaire de satisfaction de l'événement pour voir ce qu'on pourrait améliorer pour le prochain. Et également, dans le questionnaire de satisfaction, vous verrez un champ si vous souhaitez présenter sur un sujet lié à DSS pour le prochain événement. Donc, il sera en septembre. On l'espère peut-être au bureau de Paris, si possible. Voilà, on vous tiendra informé via le groupe. Merci beaucoup et encore une fois, on est preneur de tout retour, suggestions, commentaires. Et merci encore à Jean, Romain et Yacoub. Merci à tous. Bonne soirée. Merci. Merci. Salut.